Ok, une minute, j'arrive sur vous tout à l'heure. Je peux parler, s'il te plaît, monsieur. Levez-vous, vous avez l'écharpe, levez-vous. Vous aimez votre famille? C'est une question banale que je viens de poser. Comment? Je vais poser une question très banale. Vous aimez votre famille? Oui. Votre petite famille? Oui. Vous n'acceptez pas que votre soeur soit sorcière? C'est une question que je vais poser. Si elle est sorcière, je suis aussi très sorcière. Donc c'est pas moi de... Je suis prophète. Je n'ai pas la guerre que je fais avec vous. Je n'ai pas entendu faire une guerre avec vous. Mais j'ai eu les pressions. L'Esprit de Dieu me parle, me dit, celle à qui tu te confies, la maison, tu ne veux pas que le problème soit réglé. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Laissez-moi, c'est moi qui suis venu après vous. Vous aurez l'occasion de parler. Ou bien si vous voulez, je m'éclipse. Je ne suis pas en procès avec vous. D'accord? J'étais en train de régler un problème. Quand l'Esprit de Dieu m'a poussé à venir. Maintenant, si vous voulez faire un procès à moi, moi je retourne à mon travail. Il n'y a pas de procès. Je ne sais pas ce que vous pensez qui m'intéresse. C'est de résoudre le problème. Il faut le résoudre. Amen. Il faut le résoudre. Non. J'ai l'impression que vous avez un problème. Le problème que vous avez, vous ne voulez pas que la situation se règle. Vous avez une sœur qui est sorcière, qui a les clés de la maison, celle à qui vous vous confiez beaucoup de choses. Arrachez-lui cette clé. Vous êtes d'accord avec ça? Vous allez faire ou pas? Je vais le faire. J'ai commencé. Vous avez pris la clé ou vous n'avez pas pris la clé? J'ai encore pris la clé. Prenez la clé. Allez prendre la clé. Prenez la clé. Tu sais, Dieu va te bénir. Regardez-moi. Rappelle-moi ton nom, c'est quoi? Zadie. Dieu va te bénir. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Parce que tu l'as fait par amour. Je ne t'accuse pas. Tu agis comme un parent doit agir. Tout le monde a commis ses erreurs. Tu ne savais pas. Si tu savais, on ne serait pas arrivé là. Mais il y a une influence de la sorcellerie de ta soeur sur toi. Il t'a loupé. C'est ça que j'ai dit. Dans ton esprit, tu n'acceptes pas encore la chose. C'est ça que tu n'as pas fait. Le jour où tu l'arraches la clé, parce que c'est dans cette maison que beaucoup de choses se passent. Tu sais? Oui. Pourquoi tu ne fais pas? Ah! Allons-y, prenez le micro, j'ai la parole. Allons-y. La Bible dit, celui qui sait quelque chose, qu'il ne fait pas, commet un péché. Quand tu sais quelque chose et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Si tu sais que c'est mauvais et que tu ne le fais pas, tu cochons la chose. Le jour où tu sais que c'est ton ennemi, mais dégage de lui. Dieu te dit, c'est ton ennemi. Encore tu dis, au prophète, je sais. Et tu sais quoi? Mais Dieu va te bénir. D'accord? Viens ici. C'est vrai que tu es mon vieux père. Je suis ton père spirituel. Ça dit bien. Amen. Si on a mis un, on va voir si
Saint-Esprit le reproche, aussitôt faut régler la chose. D'accord? Tu sais qu'elle t'a mis dans une marmite, dans un canari, mystique? Oui. Hein? Oui. Tu sais ça? Oui. Très bien. Vous voyez? Il sait. Ah, c'est que vous avez demandé la révélation. Oui, elle a fait. Il t'a mis dans. Elle t'a passé par ta vie, tu t'es dit, que tu as mis dans un canari. Oui. Mais dans le canari, j'ai encore un carvenant dans lequel est enfermé ou quel qu'elle soit. Hein? J'y ai pensé ce matin. Tu as pensé à ça? Ce matin. Ok. Est-ce que quand tu penses à ça, j'étais là? C'est ça qu'on appelle le système prophétique. Amen. Amen. Tu as pensé de ça? Au cardinal? Le cardinal, j'y ai pensé ce matin, mais je l'ai pas dit. J'y ai pensé ce matin. Oui, mais quand tu as pensé à ça, et le Seigneur me dit, tu ne m'as pas dit. Non. C'est nos révélations, ce qu'on appelle le système prophétique. Effectivement, tu es dans le cardinal. Donc, elle te contrôle à partir de ça. Mais je vais le faire sur le cardinal. Le faire sur le cardinal. Et je brise ce canari par le nom de Dieu. Qui n'a pas
Je me suis senti seul à la maison. Je venais de prendre ma douche, puis j'ai commencé à chanter ça, et je pleurais. Tu pleurais. Et ma fille est arrivée. Papa, tu pleures? J'ai dit non, je ne pleure pas. C'est ça? Oui. Si on a mis un peu, on a Tu es sous son nom, le bébé, à la main, 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 à la main
Quelqu'un dit avant. Soit béni, papa.